La maîtrise du risque, c'est également, ça c'est surtout pour éviter la gestion de crise qui était l'objet de la table ronde qu'on a évoquée tout à l'heure. La gestion des risques, c'est avant tout la connaissance. Connaître au mieux le terrain, connaître au mieux le patrimoine, par exemple des ouvrages d'art. Et en cela, la connaissance, le drone peut apporter cette connaissance. Peut l'apporter d'une façon opérationnelle, rapide, peu onéreuse. Et c'est vraiment cette connaissance du patrimoine, cette connaissance du territoire qui est un bon outil de gestion, de prévention des risques. Le drone est un outil vraiment nouveau et essentiel pour deux raisons. L'accessibilité de certains sites, ça peut être parfois long, voire impossible d'accéder à certains sites, par exemple montagneux ou sous un ouvrage ou en cas d'incendie. Donc l'accessibilité offerte par le drone est vraiment très très précieuse. Et le deuxième aspect, c'est sa rapidité. En gestion de crise, un des facteurs essentiels, c'est le temps. On manque toujours de temps en gestion de crise et le drone nous offre cette capacité de se projeter très rapidement sur un terrain d'opération et en cela, il est très 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 précieux. Le domaine des drones est formidable parce que l'innovation technologique est incessante, mais en revanche, elle est du coup très très touffue avec des innovations technologiques quasiment tous les jours. Donc les entreprises, on les invite à vraiment s'orienter sur des solutions opérationnelles qui répondent aux besoins du terrain et pas forcément d'aller sur quelque chose qui est forcément ultra innovant ou qui fait bonne image. C'est vraiment d'aller sur des sujets qui répondent aux besoins opérationnels du terrain. Parce que c'est là l'essentiel et c'est ce qu'attendent les maîtres d'ouvrage ou les collectivités, c'est de rencontrer des entreprises capables de leur proposer des solutions opérationnelles. Et donc nous, au niveau du CRMA, on essaye vraiment d'amener et les innovateurs et les utilisateurs finaux à trouver finalement un terrain d'entente.